fais un petit point effectif, Nicolas? Oui, alors au niveau de l'effectif pour le déplacement à Valenciennes, on a Anjaoussou et Steve Besnard qui sont suspendus. Ensuite, on a Louis Mouton qui s'est blessé cette semaine, donc il ne fera pas partie du voyage. Et sinon, on a toujours les mêmes joueurs en réat, c'est-à-dire Ousmane, Loïc et Evans. Oui, qu'est-ce que il s'est fait mal où? Alors, il a une petite fissure sur métatarse. C'est le quatrième, donc c'est moins grave que le premier ou le cinquième. Là, il est en décharge pendant 4-5 jours, c'est-à-dire qu'il a une botte et il va se décharger par rapport à ça. Et on fera le point. Mais bon, je pense qu'il on va attendre une dizaine de jours pour voir comment ça évolue. Il s'est fait ça comment? À l'entraînement, oui, dans les séquences de jeu de mercredi matin. Bon, l'humilité, c'est la base de ton discours, la base d'un sportif de haut niveau. Ouais. Mais s'il y a des semaines, ça doit être plus compliqué que d'autres. Là, vous affrontez la Lanterne Rouge qui n'a gagné que 2 matchs cette saison en Ligue 2. Comment tu prépares tes joueurs à ce défi, à Bah, cette rigueur? dans ce genre de situation par rapport à l'adversaire de ce week-end, on sait qu'il y a quelque part un relâchement et donc il faut être très méfiant par rapport au relâchement de certains joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui font cette équipe n'a plus rien à perdre. Il faut être très vigilant. J'ai le souvenir de New York URM la saison dernière où ça finit 3-3 et New York avait fait un très bon match. New York l'année dernière a fait des très bons matchs sur la fin de saison. Donc toujours être méfiant. Ils se sont fait éliminer il y a 15 jours d'une demi-finale de Coupe de France. On connaît les joueurs, donc bien sûr être en vigilance. Voilà. Donc il faut être. Faut être vraiment très attentif parce qu'il y a des joueurs de qualité et on sait que dans ce genre de situation, cette équipe-là a envie de jouer, de prendre du plaisir avec un entraîneur qui je pense, qui va rester au club puisqu'il a été admis en plus au BEPF, donc il y a une espèce de continuité. Donc être vigilant, très vigilant. Pour le maintien, bon, pour vous, ça fait plus trop de doutes. On peut se dire que mathématiquement, ça sera fait, ça fera 47 points, En cas de victoire, en cas de victoire. ouais. Mais c'est surtout, ça ressemble surtout à une opportunité de pouvoir être à la bataille jusqu'au bout pour les playoffs. Ouais, au plus vite on validera et on clôturera l'objectif initial, et au plus vite on pourra se fixer des challenges, un nouvel objectif, effectivement. Mais il faudra voir le nombre de matchs qui restera à ce moment-là. Là, tant que c'est pas acté. Mais on est conscient de ça, mais on a envie d'acter au niveau comptable. Et puis après, les joueurs, le groupe auront la primeur des objectifs qui seront fixés peut-être en fin de saison. Quelles caractéristiques de cette équipe de Valenciennes, en 2 mots? Bah, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe très jeune. Voilà, donc comme souvent dans les équipes jeunes, il peut avoir des trous d'air selon les matchs, mais il peut avoir des séquences de jeu et de grande qualité avec un garçon à la baguette qui est Knokert, qui est un joueur très expérimenté. Il y a des joueurs aussi d'expérience avec UFO derrière. Donc oui, je parle de vigilance. Ouais, je parle de vigilance. L'organisation dans laquelle ils vont jouer, on a peut-être une incertitude sur l'articulation du milieu de terrain, en sachant qu'ils ont l'habitude de jouer à 4. On a fait le travail qu'on fait habituellement toutes les semaines pour avoir un maximum d'images. Et après, nous, de notre côté, on a Anjaoussou qui est dans une très bonne période, qui est suspendu. Ça va permettre à Jean Ruiz justement de retrouver un poste de titulaire. Et après, selon l'organisation, il y aura des joueurs qui auront un coup à jouer ce week-end, quoi. Voilà. En sachant qu'après ce match-là, on va rentrer dans une semaine à 3 matchs. Une semaine, on sait l'intensité que peuvent avoir ces semaines-là. Et donc, c'est bien de pouvoir disposer à ce moment-là de 21 joueurs de champ. Laurent Guyot, là, qui a gagné le week-end dernier contre Valenciennes, disait que ça avait été la victoire la plus difficile à Oui, obtenir. oui, oui. Ils sont menés. Valenciennes a des occasions. Ils peuvent scorer. Et Annecy a été très réaliste dans le temps fort qu'ils ont eu en début de seconde période. Donc, oui. Je rejoins Laurent Guyot sur la protée qu'il a fallu voir dans ce match pour qu'ils aillent chercher la victoire. On dit souvent que tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2, mais autre chose qu'une victoire ce week-end, ça te décevrait? Bah, c'est le scénario du match qui me fera faire ce constat ou pas.
C'est effectivement, si on se fait trimballer tout le match, comme pour un point, on sera peut-être content. Maintenant, j'espère qu'on sera en capacité d'être dans l'action, de vouloir imposer notre jeu, voilà, dans le rapport de force. Pareil, c'est toujours les mêmes ingrédients qu'il faut mettre. Là, sur le match de la Ajaccio, la semaine dernière, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu assez d'intensité sur la seconde période en matière d'effort de course sans ballon. Donc, j'espère vraiment voir une autre facette ce week-end. Surtout que vos résultats contre les équipes mal classées n'ont pas toujours été Ouais, très ouais, positifs. ouais. Est-ce que tu as peur d'un relâchement inconscient dont tu as fait Non, preuve pas peur. souvent, Non, peut-être de non. temps en temps? Non, 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 non. On est vigilant par rapport à ça. Donc, on doit rester en éveil. Et donc, je n'ai pas peur de ce relâchement. Je ne sais pas si dans les moments un peu plus difficiles de l'hiver, on était dans un relâchement, on était dans un creux. Voilà, donc on parle souvent de relâchement, mais de temps en temps, il y a des périodes où on est moins efficace, où il y a moins de connexion. Donc, j'ai aucun doute, en tout cas, sur l'état d'esprit de nos joueurs. On sait que tous les joueurs sont importants dans un effectif au budget comme le pot. Steve Huesner particulièrement, bon, donc il est suspendu, mais il y a aussi un autre joueur au milieu de terrain qui n'est pas là. Exactement. Du coup, ça c'est quand même. Surtout que c'était son remplaçant naturel, j'imagine. Enfin. Ouais, C'est un peu la même. C'est un peu le vous même pouvez profil, imaginer oui. des ouais, vous pouvez imaginer pas mal de choses, mais entre-temps, on a Yad qui est revenu dans le jeu, il y a Oumar Ngom qui est rentré ce week-end, on a aussi Thomas Coléo qui a fait un très bon match au milieu de terrain avec la réserve la semaine dernière, et donc l'idée c'est ça, c'est que quand il manque des joueurs, ben, les joueurs qui intègrent l'équipe, qui sont amenés à moins jouer, c'est le but du jeu, c'est qu'ils soient très performants pour jouer la semaine d'après. C'est vrai que les absences de Steve, ça a souvent correspondu à des matchs difficiles pour le pot. Oui, bah Steve, c'est un élément essentiel. Et ce qui est paradoxal avec Steve, c'est que on peut le caractériser de joueur technique, de joueur de liant, mais c'est dans sa débauche d'énergie, dans sa capacité à déclencher des pressings qu'il est intéressant. Donc oui, c'est un joueur important, mais on doit être en capacité d'être performant. Hein. C'est pour ça que je parle de Yad, parce que Yad, après la première journée en début de saison, on disait de lui que ça serait un joueur majeur de la saison. Il s'est blessé, la saison a été faite. Aujourd'hui, il revient. Donc, aujourd'hui, c'est à lui à amener cette énergie aussi de pouvoir pallier l'absence de Steve. Peut-être que je me trompe, mais je dirais que Steve Huesner aussi amène une petite touche créative dans l'équipe qui peut Alors, manquer quand il n'y est pas. vous vous trompez pas, mais Steve doit être en capacité d'être beaucoup plus décisif, voilà, d'être beaucoup plus décisif sur les dernières passes et sur sa faculté à marquer des buts, parce qu'effectivement, il a toutes les qualités pour. Ouais, c'est ce qu'il a fait, je pense, avec Pau, 113 ou 114 matchs. Il en est à 5 passes décisives et 3 buts. Ce ratio-là, par rapport aux qualités du joueur, c'est un axe de progression. Et quel que soit l'âge, on est toujours en capacité de progresser. Donc Steve s'est réengagé avec le Pau FC. Et donc je suis persuadé que c'est un garçon qui, la saison prochaine, sera en capacité de marquer entre 5 et 10 buts. En tout cas, C'est change l'objectif que tu lui as d'objectif, fixé? Non, non, je ne vais pas fixer d'objectif. Je vous dis les choses comme je le pense en c'est évoquant Steve. fait. Dans le cours de l'après-match samedi, du coup, on n'a pas eu l'occasion de poser la question dans ce sens. Est-ce que Khalid et Henri n'avaient pas été alignés enfin, d'entrée parce que justement, ils avaient une semaine un peu. Complètement, c'est exactement ça. Oh, ils avaient une semaine un peu éprouvante pour diverses raisons. Ils se sont entraînés normalement avec le groupe qu'à partir de jeudi. Et pour ces raisons qui sont plus personnelles, ils ont passé une semaine un peu plus difficile. Et donc l'idée c'était de les ménager. Mais là, ils ont débuté la semaine lundi matin dans les meilleures dispositions. Quelle est la logistique pour ce déplacement? Vous partez On part après l'entraînement, on mange ici et on part pour Paris. Après, on va à Valenciennes en car et on rentrera dimanche. On sera au Moustecamp aux alentours de 14h30, pile poil pour la réserve. D'accord, donc du coup, il n'y a pas d'aller-retour avant une semaine après le match, quoi. Non, 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 mais en sachant que là, on joue pas mardi, quoi. La semaine à 3 matchs, elle commencera le week-end prochain. Donc là, par contre, sur le match du mardi, on fera un aller-retour, puisqu'on jouera à 3. Alors, Yann Mohamed en a parlé un petit peu samedi dernier. Ça offre une autre palette. Hein. Ça vous permet
de présenter, mettons, un 4-3-3 avec une sentinelle. Il y avait d'autres dispositifs depuis le début de la saison. Du coup, est-ce que ça aussi, ça ne correspond pas un peu à votre idée du mois d'août? Je me souviens, vous souhaitiez, dans l'absolu, avoir une équipe un peu caméléon. C'est exactement ça. Bah, après, la saison en cours a prouvé qu'on était en capacité de passer d'une organisation à l'autre, de match à match, ou de mi-temps en mi-temps, ou de période en période. Et donc, l'idée, c'est ça. Je le dis encore une fois, parce que je le dis très souvent, c'est les principes de jeu, l'attitude collective qui doit être imprégnante pour les joueurs. Et bien sûr, l'organisation de départ est importante, mais c'est surtout les connexions et la capacité à certains joueurs à compenser par rapport aux sorties des uns et des autres. On a clairement ressenti dans l'après-match que Ajaccio était sous haute tension, pour reprendre les termes de l'entraîneur. On sait qu'on n'était qu'à 7 journées de la fin finalement. On peut penser que plus on va se rapprocher de l'objectif, là, plus ça va être, on va dire, intense quelque part. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon objectif, intense. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une façon particulière d'aborder c'est déjà le sprint final. Mettre en exergue le côté compétiteur des joueurs. Dans ces moments-là, c'est la priorité, quelles que soient les divisions, quelles que soient les disciplines, quand on arrive dans un money time, l'important, c'est qu'on aiguise l'esprit de compétition du groupe. Le Ramadan se termine cette semaine. Oui. En tant qu'entraîneur, vous, est-ce que ça vous a contraint à Pas certains contraint. engagements? Pas contraint. On a aménagé, c'est-à-dire tout simplement, on a décalé les horaires des séances. On a commencé à 11h parce que pendant les 3 premières semaines, ils avaient des repas à 6h15, entre 6h15 et 6h30. Donc on avait décalé à 11h. On a été à l'écoute. On les a accompagnés, comme j'ai pu le dire, il y a une quinzaine de jours. Et sur cette période de Ramadan, on a pris 7 points sur 9. Donc je peux estimer que ça s'est plutôt bien passé. Donc, Doré, depuis ton retour de blessure, c'est ta quatrième apparition dans le groupe. Peut-être savoir déjà comment tu te sens. Bien, très bien, je me sens vraiment bien. Physiquement très bien, mentalement très bien aussi. J'ai bossé dur pour revenir et donc je vois que le travail porte ses fruits, donc je suis vraiment content par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous raconter cette période qui a, j'imagine, été par moments un peu difficile? Ouais, c'est jamais simple d'être éloigné des terrains, c'est sûr. Donc c'était une période de rééducation, de réathlétisation. Et ça n'a pas été simple, c'est sûr. Mais bon, c'est passé maintenant, c'est derrière moi. Tu es rentré en Bretagne, Noé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis rentré en Bretagne et donc j'ai fait ma rééducation en Bretagne et aussi à Clairefontaine. D'accord, pas du tout à Cap-Breton. Non, pas du tout, non. C'était la première grosse blessure. Ouais, première grosse blessure. J'ai déjà eu des petits pépins, mais c'était ma première grosse blessure vraiment, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre pendant cette période? Bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être éloigné des terrains, de ne pas jouer en fait. Surtout pendant autant de temps. Moi j'ai déjà eu des petits pépins qui m'ont éloigné 2 semaines, 3 semaines max. Mais là c'était 6-7 mois sans jouer. Donc c'était ça, ouais, je dirais. C'est survenu dans un contexte hyper particulier. C'était le soir du maintien. Vous étiez au Ouais. bout du combat. Tu avais beaucoup donné pour ça. Tu sors sur blessure. Tu as Ouais, c'est pu le ça. savourer ce maintien. C'était quoi l'immense Ouais. l'émotion que tu avais à ce moment-là? Non, j'ai pu le savourer quand même, mais c'est jamais pareil, forcément, parce que moi je savais directement ce que j'avais. C'est quoi le bruit, la douleur, Ouais, bah c'est le kiné Donc. qui est venu sur le terrain, Flo, qui m'a dit que c'était le croisé. Donc forcément, j'ai savouré quand même. J'étais content pour le club, mes coéquipiers. Mais après, c'est sûr, d'un point de vue personnel, je savais que j'allais derrière avoir une période de rééducation et tout. Donc il y avait un petit goût d'amertume quand même. On dit souvent que ce genre de pépin, ça rend plus fort. Est-ce que tu sens, là, depuis ton retour, que tu as grandi, que tu as. Ouais, bien sûr. Ouais, mentalement, c'est sûr que ça m'a rendu beaucoup plus fort. Ouais, c'est sûr. Ça m'a changé dans l'appréhension des matchs, le fait de savourer aussi l'instant présent. Savoir que voilà, maintenant, je me lève le matin, je sais que je vais pouvoir m'entraîner. Ça, c'est déjà un plaisir. Donc oui, c'est sûr que là-dessus, ça nous permet d'apprendre aussi sur nous-mêmes. Je ne regrette pas du tout cette blessure. Ça m'a vraiment permis de tirer beaucoup de positif de tout ça. Au niveau du protocole, tu aurais pu rester ici à la Cap-Breton, comme le soulignait
Grégory, qui a peut-être un partenariat. Pourquoi avoir choisi l'option donc Bretagne et Clairefontaine? Bah, Vous tout avez plus de simplement. repères? Ah. Oui, tout simplement parce qu'en fait, dans la blessure, il y a aussi l'aspect mental qui est super important. Pour bien te soigner, tu as besoin d'être dans les meilleures dispositions mentales pour pouvoir vraiment faire les choses bien. Donc, moi, en fait, de mon point de vue personnel, j'estimais que c'était la meilleure manière pour moi aussi d'être proche de ma famille, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et tu penses que justement, ce choix t'a conforté, que c'était le bon choix? Ouais, bien sûr. Ah oui, bah, de toute façon, la manière dont je suis revenu, je suis très content. Je suis revenu vraiment de la meilleure des manières. Donc oui, je suis très content d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je commence à recevoir un peu les fruits du travail. Donc ça fait plaisir. Bon, l'étape suivante, c'est de prendre des minutes en Ligue 2 cette saison, de débuter cette saison pour toi. Peut-être que ce week-end, c'est l'opportunité parfaite. Ouais, peut-être on verra ce que le coach a décidé. En tout cas, moi je me tiens prêt comme d'habitude. Voilà, je m'entraîne dur, je fais du mieux que je peux. Et puis après, derrière, quand le coach me donnera l'opportunité de m'exprimer, je rendrai ça sur le terrain. Le premier palier, ça a été de rejouer avec la réserve. La réserve qui est l'équipe la plus performante de son championnat depuis janvier. Un mot sur ton retour. Tout d'abord, qu'est-ce que tu en penses là, de cette première étape que tu as franchie? Le fait d'avoir joué en Ouais, réserve, ce temps de jeu que tu as. ouais, bah c'était hyper important pour moi de retrouver du rythme en fait. De retrouver du rythme, de retrouver des sensations, parce qu'on n'est pas prêt directement dès qu'on reprend les entraînements à jouer au plus haut niveau. Donc le fait d'avoir enchaîné des matchs en équipe réserve en N3, où il y a un bon groupe en plus, un bon groupe avec des joueurs de qualité. Donc ouais, ça m'a permis de prendre du rythme, d'enchaîner aussi, de faire 90 minutes, et ça c'était super important pour mon retour. Tu as joué à quel poste en réserve? J'ai joué défenseur. Parce que tu as cette capacité à être polyvalent, Ouais. milieu défenseur. Ça plaît à Nicolas ça, ou il a envie de te positionner sur un truc prioritairement? Il faudra lui poser la question à lui directement, mais Toi, tu n'as rien dit en tout cas. non, bah après il sait que je peux jouer les deux postes forcément, parce qu'on en a discuté quand même en amont. Et puis, il a eu aussi ses échos avant que je revienne dans le groupe. Donc oui, c'est sûr que j'ai cette capacité à jouer les deux postes. Maintenant, après, c'est le coach qui décide. Le poste de prédilection, c'est défenseur central à la base ou c'est plutôt milieu de terrain? À la base, je suis formé au milieu de terrain. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que j'évolue au poste de défenseur maintenant. Quel a été le moment charnière justement pour être mis en défenseur central? Le moment où je suis passé défenseur, Ouais, qu'est-ce qui a décidé ça et comment ça s'est fait? comment ça s'est fait? C'était quand je jouais encore en amateur. À l'époque, je jouais en N3, si je ne me trompe pas. Tout simplement, il manquait un défenseur central dans notre équipe qui avait pris un carton rouge. Et puis, le coach m'a mis à ce poste. J'ai été bon. Et puis derrière, j'ai enchaîné à ce poste, tout simplement. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y en a un que tu préfères dans l'absolu? Non, non, franchement, il n'y a aucun des deux que je préfère en particulier. J'aime vraiment les deux. Ça demande des qualités différentes. Ça nous demande de faire des choses différentes sur le terrain. Mais j'aime vraiment les deux postes. Quelles sont justement les qualités différentes, enfin les principales qu'il faut. Moi, je dirais qu'en tant que défenseur central, on a besoin d'être encore plus concentré, étant donné qu'on est la dernière ligne de l'équipe. Après, au milieu de terrain, ça demande aussi de prendre peut-être plus vite les informations, parce que ça peut venir un peu plus de tous les côtés, la pression. Ça demande aussi un coffre un peu plus important. Au milieu de terrain, souvent on est amené à courir un peu plus. Je dirais que c'est ça les principales différences. Cette saison, elle est particulière, tu l'as vécue entre guillemets d'un regard extérieur. Comment tu l'as jugée au fur et à mesure qu'elle est passée cette saison? Bah, c'est très bien, c'est une très bonne saison. Hein. C'est une très bonne saison pour le club. On a très bien débuté. On a eu une petite période un petit peu moins bien à un moment donné. Mais non, c'était une très bonne saison. Hein. Tu Très très bonne saison. étais dans une équipe qui jouait pour le maintien. Alors là, tu vas me dire que tu es toujours dans une équipe qui joue le maintien, mais qui peut s'autoriser à rêver à la course au play-off, ça fait bizarre, tu sens une équipe différente finalement? Non, non, non. Dans l'énergie, il n'y a rien qui a changé. On est toujours.
aussi concentré sur l'objectif prioritaire qui est le maintien, c'est pas encore fait. Et non, non, sinon, à part ça, qu'il y ait des victoires, des défaites, on reste toujours soudés et l'esprit du groupe n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? Au niveau du profil, on va dire, du groupe, il a changé. Toi, qu'est-ce que tu as senti comme différence entre l'an dernier et cette année? Quelles sont un peu les caractéristiques différentes? Bon, l'année dernière, déjà, on avait un bon groupe. Je pense que le point qu'on peut noter en commun, c'est la solidarité. L'année dernière, on avait un très bon groupe aussi. On s'est maintenu sur la fin, mais on a été solidaires jusqu'au bout. Et je pense que cette saison, c'est pareil. Ce serait bien quand même qu'on puisse se maintenir avant la dernière journée, qu'on puisse éviter une petite frayeur comme ça. Mais en tout cas, sur les 2 ans, moi, je vois à chaque fois deux groupes. Unis, soudés, et cette saison, on peut voir par les résultats aussi. Je disais tout à l'heure que l'étape suivante, c'était donc de jouer. Est-ce qu'il y a de l'impatience de ton côté? Parce que c'est une période qui a été longue quand même pour toi. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience, un peu de stress, un peu de... Qu'est-ce que tu Ouais, ressens là? il y a toujours un petit peu d'impatience, forcément, vu que ça fait quand même un bon bout de temps, hein, que mon dernier match était contre Caen, du coup, c'était en juin dernier. Donc oui, ça fait un bon moment. Donc oui, il y a forcément un petit peu d'impatience. J'ai hâte de rejouer sur le terrain. Et puis surtout, ça va me permettre de moi tirer un trait aussi. Me dire que mentalement, ok, maintenant c'est derrière moi, j'ai fait mon premier match. Et ça va me permettre de me mettre dans des meilleures dispositions encore mentales. Quand on est contraint à pas jouer donc en début de saison, comme tu le disais, hein, ça manque le terrain. Et quand on voit arriver donc des renforts au poste de défenseur central et que la saison débute sans toi, mais avec plus de défenseurs centraux que jamais, qu'est-ce qu'on se dit? On doit se poser des questions, non? Non, bah non, forcément, il faut remplacer ceux qui sont blessés. Donc non, non, moi je me suis pas du tout posé de questions par rapport à ça. La concurrence, ça fait partie du taf. Et non, non, je me suis pas posé de questions. Moi, franchement, j'étais vraiment concentré sur ma rééducation à ce moment-là, sur le fait de bien revenir. C'était le plus important pour moi. Donc non, non, je me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça. T'es en fin de contrat, ouais. Je suis en fin de contrat, en fin de saison, là. Et ça, c'est un paramètre qui était complexe à gérer, si c'est toujours une période particulière dans la vie d'un sportif. Oui et non, dans le sens où j'en ai conscience. Après, ça fait, comme tu dis, ça fait partie en fait de la vie d'un sportif, d'un footballeur. Donc non, non, moi je suis focus sur ce que j'ai à faire sur le terrain, vraiment. Et puis le reste, ce qui doit se faire, se fera. Le fait que Christian disait tout à l'heure que le groupe a beaucoup changé, qu'il y a beaucoup de concurrence dans le. Mais là, le fait de jouer avec Xavier, Jean par exemple, que tu connais, est-ce que ça te rassure dans un sens ou est-ce que ça peut te permettre de faire ta place plus rapidement dans l'équipe? Non, pas forcément plus rapidement, dans le sens où après je m'entraîne aussi avec mes autres coéquipiers depuis un moment maintenant. Donc au départ, il y a des automatismes à prendre, mais aussi c'est fait pour ça les séances. Donc non, non, que ce soit Jean, Xavier, Ange, Ousmane, non, non, peu importe. Hein, je peux m'adapter à n'importe quel coéquipier, on va dire. Justement, par rapport à ses coéquipiers, il y a plusieurs joueurs d'expérience, dire Nicolas. Est-ce que ça permet d'apprendre plus rapidement ou... je vois peut-être un peu la question. D'apprendre plus rapidement le poste, ça? Oui, enfin, comment ça se passe en fait au quotidien, on va dire. Est-ce que on a l'impression qu'ils ont le rôle un peu de guide, enfin, de. Oui, forcément, oui, les anciens, ils ont forcément plus d'expérience, donc ils sont là aussi pour guider les plus jeunes. Donc oui, si c'est ta question, oui, c'est sûr que les anciens, oui, ils ont une part de guide un petit peu, comme tu dis, ouais, qui nous aide sur le terrain. Donc oui, c'est toujours important de toute façon d'avoir des patrons, entre guillemets, comme ça dans une équipe. Ça a fait combien de matchs en N3? 23, je n'ai fait 3 ou 4, hein, Trois. si je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, tu as effacé tes records en muscu, mais est-ce que tu as eu l'occasion de tester ta vitesse? Oui, ma vitesse, je me sens. Bon, après, Ça a toujours été là. ouais, ça a toujours été. Non, non, si, je me sens bien là-dessus. Ma vitesse, mes appuis, mon explosivité et tout. Non, non, j'ai tout repris comme il faut. Je me sens vraiment très bien. Hâte à retrouver la Ligue 2. Ouais, bien sûr. Bien sûr.